Oui, tout à fait, Denis, je vous entends. Oui. Alors, je vais tenter d'expliquer aux téléspectateurs que pour gagner un chèque de 150 000 euros, il va falloir comprendre ce que veut dire ce soir le mot ironie. Alors, ironie du sort, un Koh-Lanta, les armes secrètes, fuient les. Ce n'est pas pause, c'est juste que j'ai fait un blocage du cervelet parce que je ne savais plus quoi dire sur cette aventure. Que puis-je dire? À part que c'est la meilleure aventure que l'on ait pu voir depuis le début de l'histoire de Koh-Lanta. On n'a jamais vu des candidats aussi doués, aussi fantastiques, avec autant de courage, de dignité, jamais retourner sa chemise, ne pas travailler que sur les affinités, montrer qu'on est conquérant, une finale sur les poteaux extraordinaire, avec trois guerriers, hein, deux femmes et un homme seulement, qui ont su tenir une orientation digne de ce nom, avec aucun tricheur ou aucun aventurier n'ayant joué ce Koh-Lanta sans panache. Ça a été magistral, cette orientation. Nous avons vu, encore une fois, que la victorieuse Koh-Lanta Maxine nous a montré ce que c'était que d'être un être humain complet, évolué, digne de gagner les Jeux Olympiques de Koh-Lanta. Magnifique. Moi, je trouve que cette saison a été tellement extraordinaire. Je ne comprends pas les critiques sur Twitter et sur YouTube et sur Facebook. Je ne comprends pas les critiques. Pourquoi tout le monde critique? OMG, oh my God. Mais attention, la nana là. Hein? Wait, don't do that to me, bitch. Ok? Moi, je vous dis un truc. Un Koh-Lanta comme celui-ci, je suis persuadé que tout le monde en redemande. Alors s'il vous plaît, redonnez-nous la même chose une fois de plus. Hein, c'était vraiment exquisite, c'était fantastique, magnifique, extraordinaire. Je n'ai même plus les mots et je n'ai même plus les adjectifs pour poursuivre cette conversation. Hein, tellement cette aventure m'a retourné le cerveau. Ce n'est pas une pause. C'est simplement qu'il fallait que je fasse une petite pause dans mon cerveau pour me remémorer, mais qui suis-je? Pourquoi fais-je cette vidéo? Pourquoi-je? C'est pour vous dire à tel point ce Koh-Lanta m'a mis sur les rails de la vie. Je suis complètement maintenant concentré, absolument droit dans mes baskets. J'espère que vous avez bien compris, hein, que Koh-Lanta, les armes secrètes, c'était le Koh-Lanta qu'il fallait absolument mettre en place et distribuer sur nos antennes TF1, un service public payé donc par vous, le public, hein, et nous proposer une telle qualité de spectacle, une finale merveilleuse. Et je vais conclure sur ces mots. Denis, tu parles trop.